Alors justement, on va voir un petit extrait d'un film qui vous a été remis où vous voyez finalement votre maman pour la première fois. Alors, quel effet ça fait de voir sa mère pour la première fois quand on est déjà adulte? Ben c'était en fait c'était à l'image un peu de toute l'enquête, c'est que c'était ça a été des émotions mêlées pendant les 4-5 ans qu'on dirait l'enquête. Et le moment de ce film, c'était très particulier parce que c'est un ami de mon père qui l'avait amené, ne sachant absolument pas le secret, le tabou qu'il y avait autour de cette histoire. Et donc on l'a projeté dans la chambre de mes parents parce que c'était le seul endroit de la maison où il y avait un mur blanc. Et donc j'ai vu ce film, mais avec mes parents, mon père et ma deuxième mère qui étaient là. Donc il y avait à la fois cette émotion de, bah oui, de la découvrir, de la voir. Alors j'avais eu des photos, mais de voir un corps en mouvement, de voir un sourire, les sourires sur les photos, c'est pas les mêmes sourires que dans les films. Et en même temps, je me sentais sous regard de mon père, et alors que j'imaginais, hein, sans doute qu'il me regardait pas regarder, mais je me sentais regarder regardant en fait. Et donc c'est après en fait où j'ai filmé le film et je l'ai regardé. Et là, effectivement, je l'ai complètement, je me le suis approprié. Et en plus, voilà, avec ce côté Super 8 qui est très propice à la nostalgie, où j'ai l'impression qu'elle me parle de là où elle est, quoi.